L'œil humain possède un mécanisme totalement automatique qui fonctionne parfaitement. Il est constitué de la combinaison de 40 éléments fondamentaux et chacun de ces éléments exerce des fonctions critiques dans le processus de la vision. Tout défaut, toute infirmité dans un seul de ces éléments rendrait la vision impossible. La couche transparente sur le devant de l'œil est la cornée. Juste derrière se trouve l'iris. Donnant à l'œil sa couleur, l'iris ajuste automatiquement sa taille selon l'acuité de la lumière, grâce aux muscles qui y sont attachés. Par exemple, si nous sommes dans un endroit obscur, l'iris se dilate pour faire entrer le plus de lumière possible. Quand la lumière augmente, il se contracte pour réduire la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. Voici comment fonctionne le système d'ajustement automatique de l'iris. Au moment où la lumière pénètre, une pulsion nerveuse voyage jusqu'au cerveau et lui transmet le message concernant l'existence et l'acuité de la lumière. Le cerveau renvoie immédiatement un signal ordonnant à quel point les muscles autour de l'iris vont se contracter. Un autre mécanisme de l'œil qui fonctionne parallèlement à cette structure est celui du cristallin. Le rôle du cristallin est de projeter la lumière qui pénètre dans l'œil sur l'écran rétinien situé à l'arrière de l'œil. Grâce au mouvement des muscles autour du cristallin, les rayons lumineux pénétrant dans l'œil de différents angles peuvent toujours être projetés sur la rétine. Tous les systèmes que nous avons décrits sont infiniment plus petits, mais aussi infiniment plus perfectionnés que les instruments mécaniques inventés par la technologie moderne pour imiter l'œil. Même le système d'imagerie artificielle le plus sophistiqué du monde demeure extrêmement simple et primitif si on le compare à l'œil. Lorsque nous pensons aux efforts et aux connaissances qui ont été déployés pour mettre au point ces systèmes d'imagerie artificielle, nous comprenons que l'œil est le résultat d'une création supérieure. Si nous examinons une seule cellule de l'œil au niveau microscopique, la supériorité de cette création apparaîtra plus clairement encore. Imaginons que nous regardons une coupe de cristal pleine de fruits. Les rayons lumineux venant de cette coupe jusqu'à notre œil passent à travers la cornée et l'iris et sont projetés sur la rétine par le cristallin. Que se passe-t-il donc dans la rétine pour que les cellules rétiniennes perçoivent la lumière? Lorsque les grains de lumière, qu'on appelle aussi photons, atteignent les cellules de la rétine, ils produisent un effet en cascade, comme une rangée de dominos soigneusement disposés les uns après les autres. Le premier de ces dominos des cellules rétiniennes est une molécule appelée 11,6-rétinal. Quand un photon de lumière entre en contact avec elle, cette molécule change de forme. Cela induit un changement dans la forme d'une autre protéine, la rhodopsine, à qui elle est solidement liée. La rhodopsine prend alors une forme qui lui permet d'adhérer à une autre protéine, appelée transducine, qui était déjà présente dans la cellule, mais qui ne pouvait pas réagir auparavant en raison de l'incompatibilité de sa forme. Après cette union, une autre molécule appelée GDP rejoint aussi ce groupe. Maintenant, deux protéines, la rhodopsine et la transducine, et une molécule chimique appelée GDP, se trouvent liés ensemble. Toutefois, le processus ne fait que commencer. Le composé appelé GDP a maintenant la forme voulue pour se lier à une autre protéine appelée phosphodiestérase qui est toujours présente dans la cellule. Ce lien effectué, la forme de la molécule ainsi produite enclenchera un mécanisme qui commencera une série de réactions chimiques à l'intérieur de la cellule.
Ce mécanisme modifie la concentration d'ions de la cellule et produit de l'énergie électrique. Cette énergie stimule les nerfs situés tout au fond de la cellule rétinienne. Par voie de conséquence, l'image qui est parvenue à l'œil en tant que photon de lumière entame son voyage en tant que signal électrique. Ce signal contient l'information visuelle au sujet de l'objet extérieur. Pour que la vision se produise, les signaux électriques produits dans la cellule rétinienne doivent être transmis au centre de la vision dans le cerveau. Les cellules nerveuses ne sont cependant pas reliées directement les unes aux autres. Il existe un minuscule espace entre leurs points de jonction. Comment alors le stimulus électrique poursuit-il son chemin? À ce moment, une autre série d'opérations complexes se produit. L'énergie électrique est transformée en énergie chimique, sans aucune perte de l'information transportée. Et de cette manière, l'information est transmise d'un nerf à un autre. Les transporteurs chimiques situés au point de jonction des cellules nerveuses parviennent à faire passer d'un nerf à l'autre l'information contenue dans les stimulus en provenance de l'œil. Lorsqu'il est transféré au nerf suivant, le stimulus est à nouveau converti en signal électrique et poursuit son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne un autre point de jonction. Poursuivant ainsi son chemin jusqu'au centre de la vision dans le cerveau, le signal est comparé aux informations présentes dans le centre de la mémoire et l'image est interprétée. Enfin, nous voyons la coupe de fruits dont nous parlions grâce à ce système parfait constitué de centaines de petits détails. Et toutes ces opérations extraordinaires se déroulent en une fraction de seconde. De plus, étant donné que la vision a lieu continuellement, le système est sans cesse en train de répéter ses étapes. Par exemple, les molécules entrant en jeu dans la réaction en chaîne de l'œil sont à chaque fois restaurées à leur état initial et la réaction recommence. Bien sûr, en même temps, de nombreuses autres opérations tout aussi complexes se déroulent dans d'autres parties du corps. Nous pouvons simultanément entendre le son de l'image que nous voyons. Et selon les circonstances, nous sentons aussi son odeur ou son contact. Au même instant, des millions d'autres opérations et réactions doivent se poursuivre sans interruption dans notre corps pour que nous restions en vie. La science primitive de l'époque de Darwin ne savait rien de tout cela. Cependant, malgré cela, même Darwin se rendait compte de l'extraordinaire complexité de l'œil. Il reconnut son désespoir dans une lettre qu'il écrivit à Asa Gray le 3 avril 1860, où il disait « La pensée même de l'œil me glace tout le corps. » Les propriétés biochimiques de l'œil, qui ont été découvertes par la science moderne, ont porté au darwinisme un coup plus grave encore que Darwin n'aurait pu l'imaginer. Le processus de la vision, que nous avons résumé très simplement, est encore plus complexe dans ses détails. Cependant, même ce résumé suffit à montrer quel système merveilleux a été créé dans notre corps. Les réactions qui se déroulent dans l'œil sont si complexes et si précises qu'il est tout à fait déraisonnable de penser qu'elles puissent être le produit du hasard, comme le prétend la théorie de l'évolution. Michael Behe, un professeur de biochimie réputé, commente ainsi la chimie de l'œil et la théorie de l'évolution dans son livre « La boîte noire de Darwin ». Maintenant que la boîte noire de la vision a été ouverte, une explication évolutionniste de cette faculté ne peut plus se contenter de considérer uniquement les structures anatomiques des yeux dans leur ensemble, comme le faisait Darwin au XIXe siècle. En réalité,
Chacune des étapes anatomiques et des structures que Darwin croyait si simples met en jeu des processus biochimiques d'une complexité époustouflante qui ne peuvent pas être occultés sous des amas de rhétorique.